Et salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans Mass Effect 3 pour la Mass Effect Saga. Et il faut qu'on aille pour résidentiel. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, là j'enregistre 12 000 trucs aujourd'hui. Mais bon, on va s'en sortir. En gros, j'ai déjà tourné 3 heures, à peu près, du Zelda, du Evoland. Vous vous en sortez toujours, commandant. On a reçu les provisions de Tactus. Ah cool. Est-ce que tout va bien? Oui, on a du matériel qui va s'avérer très utile. Parfait. D'ailleurs, j'ai réussi à augmenter l'efficacité de nos modes d'administration du Ah Medivac. cool. J'ai également réuni des informations qui pourraient intéresser Lyara. Parlez-en à Glyph. Lyra qui est juste de l'autre côté du pont et que tu pourrais aller voir toi-même. C'est gentil. J'adore faire le coursier. Excellent travail, commandant. Alors. Bonus des armes. Réserve de munitions. Plus de balles. Même si moi je m'en fous, mais c'est pour mes potes. La flotte nomade et les bâtiments guettent ont rejoint l'amiral à quête. Ça, c'est bon, ça. Bon, bah, ok. Glyph. Non. Glyph, on s'en bat les couilles. Ok, bon, bah, bisous. Bisous, miel. Alors, je vous avais dit, ouais, on va pas commencer la mission parce que ça a initié la fin du jeu, mais en fait, non, je me suis gouré. C'est pas celle-là, donc on a encore du temps. Donc on va la faire. Ça fera une mission de scénar. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait du scénar. Et c'est vrai que ça nous manque. Du coup, on va aller s'occuper de du sanctuaire. Normalement, je crois qu'on a récupéré tous les. On a les berserkers. On a Eclipse. Et on a les soleils bleus, je crois. Oui, c'est bon, donc on a tout, donc on pourra aller après faire la. Faire le DLC Oméga, hein, comme ça sera fait. Allez, on va aller là-bas. J'ai pas changé mon armure depuis longtemps, mais bon, c'est pas grave. On va prendre Lyra, parce que j'aime bien Lyra. Et Idea, parce que voilà. Parce qu'elle a des tenues de robot sexy. Et que c'est rigolo. Exactement, Orion. Oui, tout à fait. Mais ta gueule. Alors, le M7 on le garde. Hein, est-ce qu'on peut changer de sniper hein, pour juste pour voilà. J'essaierai bien celui-là. Non, Orion, tais-toi. Voilà, ça c'est rigolo. Lyra. On va leur laisser leurs armes. Hein. On augmente un peu les cryos. Toi, t'as pas assez, et toi, t'as pas assez. Ok, bah allons-y. Ah non, mais parlez. Fuis les moissonneurs. Ah voilà. Le complexe ne donne plus signe de vie depuis peu. Enemy ne reçoit aucun signal. Ce qui n'est pas Difficile cool. de dire pourquoi Kailung ou Cerberus s'y intéresseraient. On trouvera. S'il y a du Cerberus dans l'air, on le Ah saura. oui, c'est vrai que je suis Splinter Chef. Cell. Je détecte un signal émis par le complexe. Il est faible. J'essaie de l'amplifier. Ici Orianna Lawson. Évitez le sanctuaire. C'est un piège. C'est la sœur de Miranda. Orianna a été enlevée par son père. Il travaille sûrement avec l'homme trouble. Si elle est là, Miranda doit pas être bien loin. C'est le lien avec Cerberus. Atterrissage imminent. Je sais plus si on a fait la. Si on a filé de l'argent à Miranda, je crois pas. Du coup, on va peut-être la retrouver là. J'espère qu'elle est pas morte. Si je pouvais éviter de perdre 8000 persos, même Cerberus ne non vous jouables, surprendra dans pas le cette jeu, fois. ça m'arrangerait. Restez sur vos gardes. Cerberus donc.
Donc plutôt des cryos. De dégâts. Il a dû y avoir une belle bataille. Ouais, mais qui combattait? Et on va armer le sniper. Oui, la radio est muette. Ah, c'est pas un sniper dégueulasse. Quelque chose brouille nos fréquences. Voilà pourquoi rien n'est meilleur. Certainement les mauvaises blagues de Garrus. Ok, bon, bah on va passer en munitions incendiaires tout de suite. Ce sera mieux. Oui, bah j'ai vu, merci. Des fantômes! Tenez-les à distance! Voilà. Attention au sniper! On va quand même remettre les cryos. Ça veut tellement rien dire avec le canon long. C'est des obus que j'envoie en fait. Et on dirait que les moissonneurs les pourchassaient. Il était temps. Mais en même temps, on peut comprendre. Hein. Je sais pas, venez. En voilà d'autres, ils sortent de cette tour. Alors on y va. Quelle tour ? Quelle tour ? Putain ! Tous les arrivants sont invités à donner leur possession à notre personnel de tri pour... Ouais, bien sûr, oui. C'est tellement une secte. Alors... Ce sont des enregistrements de caméras de sécurité. C'était une zone de réception destinée à orienter les arrivants. Leur nombre est incroyable. Les réfugiés. Moi, je vais aller dans le bureau, là. Plus qu'une semaine, et j'aurai rempli les conditions de mon contrat. Je quitterai l'équipe de réception pour aller dans... Bon, ça m'a tout l'air d'être de la merde. Ce doit être une autre zone d'atterrissage. Les vaisseaux qu'on a vus dehors devaient attendre leur tour. Mais où sont tous les gens qu'ils ont amenés? Ça pue quand même, hein. Quelque chose devant, Shepard. Des pertes, des deux côtés. Oh là là. Oh putain, allez vous faire foutre. Faites chier, putain! Vous pouvez pas nous laisser vivre? Vous pouvez pas vous aimer les uns les autres, bordel de merde! Putain! On dirait un cul-de-sac. Il faut trouver une sortie. Ouvrez bien les yeux. Moins que ça, vous allez vous faire mal. C'est Miranda. Ici Miranda Lawson. Salut. Vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous êtes désespéré ou stupide. Ah, les a piratés. Écoutez-moi, ce n'est pas un camp de réfugiés. C'est une base de Cerberus dirigée par mon père, Henry Lawson. Repartez. Personne ne veut votre bien ici. Toutes les communications sont bloquées depuis la tour centrale. Le sanctuaire est un piège. Repartez. Ok, on se retrouve avec Cerberus, les moissonneurs et le père de Miranda. Comment on remonte le puzzle? Avec des flingues, je dirais. Ça me paraît pas mal. Un pupitre de sécurité, je le coupe. En vrai, c'est un clavier à l'envers. Enfin, c'est un clavier penché sur le côté.
Ils sont trop forts. Oh mais quoi? Ah oui, effectivement, oui. Ah oui, j'aime bien passer par derrière. J'espère qu'on n'a pas réveillé des saloperies. Hein. Ça provient des moissonneurs, j'en suis sûr. Je ne sais pas. T'as pas envie de savoir. On sait trouver comment s'en servir. La réponse doit être ici, quelque part. Ça ressemble plus à une usine qu'à un camp de réfugiés. Sans blague, c'est Cerberus en même temps. Hein. 1500 crédits. Rien. Affirmatif. Ça doit être un poste de commandement, mais il n'y a pas de courant. Cherchez un interrupteur. Un gros bouton rouge. Genre là. Voilà l'interrupteur. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que je me rappelle. Ce sont les réfugiés. Ils les exterminent. Pire. Ils sont transformés en zombies. Ce qui est pas très très Charlie. Oh putain. Shaun of the Dead quoi. Enfin non, Dawn of the Dead plutôt. Il y a pas l'humour. Putain ta race. C'est une vitre, Lyra, t'énerve pas. Bon. J'ai bien fait de mettre les incendiaires. Hein. Allez. Bon, bon, bon. Créer des zombies ne mène à rien. Il y a forcément une raison. L'homme trouble n'agit que si cela lui rapporte quelque chose. Ils veulent peut-être faire une armée. Hein. Recyclage. Le recyclage, c'est pas la fabrique de zombies. Les moissonneurs ont ravagé le complexe. Je coupe l'alimentation de l'usine de traitement pour les enfermer. Ça devrait aussi leur couper l'accès à l'entrée. Kai Leng, elle ne sait pas qu'il est ici. Miranda Lawson est arrivée plus tôt que prévu. Voulez-vous que je m'en occupe? Seulement si elle entrave notre route. Le résultat des recherches passe avant le reste. Bande de bâtards! Oui, chef. Merde! En avant! Y'a rien ici, y'a rien ici. C'est pas étonnant. C'est bon, on peut y aller. Je vais en avoir plus là d'où ils viennent. Sans blague. J'ai passé la semaine dernière à faire de petits ajustements pour améliorer les choses. Nous avons confirmé les résultats obtenus par Cerberus concernant les zombies. Ça doit être ce qui reste de la sauce. Faites chier. Merde. Décède. Oh, c'est tellement efficace. Je les vois. Tu décèdes. Tu décèdes. J'arrive. Hein. Je voulais voir s'il y avait quelque chose, mais il n'y a rien. Calmez-vous. C'est bon.
tout va bien. Voilà, heureusement que je suis là, putain. J'ai pas de gâcher un medikit non plus. La course à l'efficacité nous a appris une chose importante. L'emploi des Les dents du dragon. Peut-être qu'on apprendra pourquoi les moissonneurs voulaient détruire cet endroit. Ouais, peut-être. Ça n'a pas de sens. Cerberus et les moissonneurs s'entendaient. Qu'est-ce qui a changé? Ça marche, Shepard. Je vais à la tour pour couper le brouillage des communications. Je dois prévenir quelqu'un. Certains réfugiés sont transformés en zombies. D'autres sont endoctrinés et expédiés à l'homme trouble. Les autres sont utilisés dans diverses expériences. C'est sympa. D'après les données, mon père tenterait de découvrir comment fonctionne l'endoctrinement. Attirer des réfugiés juste pour pouvoir en faire des cobayes. Et tout ça pourquoi? C'est si démesuré. C'est impensable. Je suggère de suivre les expéditions qu'elle a citées. Cela pourrait nous mener à l'homme trouble. Bien joué. Alors soit c'est pour essayer de contrer l'endoctrinement, soit c'est pour essayer d'en créer un aussi. Qu'est-ce que vous les évitez hein, c'est impressionnant. Ça me sidère à chaque fois. Hein. Moi je passe là. Hein. Serrez les rangs, ajustez vos tirs. J'essaie de... Tiens. Je crois qu'ils ont bien morflé là. C'est bon? On peut respirer un peu? D'accord. Notre premier succès a été la création de zombies. Même super. Si ce ne sont pas de vrais zombies, ils répondent aux signaux des moissonneurs. Il reste du travail, mais nous avançons. Il y a des trucs à choper ici, ouais, il y a ça. Une baïonnette niveau 4. C'est plutôt cool. Donc le père de Miranda, c'est un peu le docteur Mengele, quoi. De les contrôler. Les sujets moissonneurs que nous avons convertis répondent bien, mais c'est précaire. Je m'y attendais. Je vais essayer de contrôler les moissonneurs. Grâce au sanctuaire, ce sera réglé. Parvenir à contrôler les forces des moissonneurs? Fascinant. Voyons un peu la suite. On a réussi. On a trouvé un moyen d'exploiter leur signal de contrôle. Tant que les troupes des moissonneurs restent près de notre signal, nous pouvons maintenir le contrôle indéfiniment. Excellente nouvelle. Et comment pourrions-nous appliquer cette technique aux moissonneurs eux-mêmes? Alors que Senzukan me déprime en me disant qu'il a déjà joué une heure à MGS5, le salaud. Moi j'attends. Ils ont reconstitué le plan de Cerberus. Mauvaise nouvelle pour l'homme trouble. Mais bonne nouvelle pour nous. On a enfin la preuve du lien avec Cerberus. J'abaisse l'échelle d'accès. Allez, c'est parti! Un instant, Shepard. Regardez ici. Oh merde. Bordel. J'espère qu'elle est prête pour ça. Oh
Bon, j'imagine qu'on va se faire attaquer par 12 000 moissonneurs. Voilà, ça c'est fait. Cherchez une sortie. On y est presque. Attention. Allez. Oh là, vous êtes nuls. Voilà. Bon, Lyra, au lieu de faire semblant là. Tellement efficace ce flingue, surtout avec les munitions inflammables bien avancées comme j'ai, elles sont à fond, ça fait assez mal. On peut dire que c'est craqué, on a le droit. Ah oui, vous êtes fait baiser, c'est tout. Encore des mecs, des scientifiques qui n'ont pas vu Terminator, quoi. Démarrage de la séquence. Libération des zombies. Je peux pas bouger. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! On peut sortir par là. Vous êtes fou? Ça nous rapprochera de la tour. T'imagines qu'on va se faire attaquer d'un peu partout, hein. Ou pas. Par là. Ça s'est plutôt bien passé. Génial. Génial, une brute. Tout va bien. Raté, l'homme. Faire. Merde. C'est bon. Easy, GG les filles, déchirez. Bon, je vais quand même faire un petit tour, je vais faire mes emplettes. Une sortie droit devant. D'accord. C'est parti. The Bordu. C'est quoi ça? Alors, on récupère des données de recherche, des sous. Hein. C'est important, les sous. Il s'est cassé la gueule, tu sais. Accès à la tour accordé. Accès à la tour accordé. Vous avez entendu, on s'y apprête. Shepard. Ça va? Commandant Shepard, vous arrivez pile à temps. Baissez votre arme. Non. Oriana vient de me rater. L'influence néfaste de sa sœur, sans doute. Dommage qu'elle vous ait raté. Où est Kai Leng? Je ne sais pas. Parti. Il a pris mes recherches et nous a abandonnés à notre sort. Mytho. Miranda, vous m'entendez? Vous êtes assez prêts, tous les deux. Kai Leng n'a pas fini le travail. Mais moi, je le ferai. C'est terminé. Au contraire.
Maintenant que les moissonneurs ne sont plus un problème, il y a une issue. Laissez-la partir. Shepard, ne le laissez pas l'emmener. Putain, mais t'es une diotique. S'il vous plaît. Vous, j'en ai rien à foutre. Je veux juste Oriana et vos découvertes. C'est beaucoup demandé. Vous aurez la vie sauve. C'est pas un bon marché. Au pire, on le flingue après, c'est pas grave. Prenez-la. Mais je sors d'ici vivant, ok ? Il fallait pas énerver son Gohan. Je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est pour m'étonner. Hirota ? Hirota, je suis désolée. Chut. Ah non, me dis pas qu'elle va mourir. Écoute, je voulais que tu aies une vie normale. Un mari. Elle est devenue complètement derp, Oriana. Elle était mieux dans le 2. Je sais. Je voulais être avec ma sœur. Je t'aime, Ori. Je t'aime aussi. Shepard. Mets-lui du Medigel. Je suis là. Avant que Kai Leng me file, je lui ai collé un détecteur. Bien joué. Un détecteur. Pensez à tout. Pas à tout. Personne n'est parfait. Mais au moins, Ori est sauvé. Je n'ai jamais rencontré votre pareil, Miranda. Non. En effet. Je protégerai votre sœur. Bien. Et je crois que si on lui file de l'argent, par contre, elle ne meurt pas. Parce que là, je pense qu'elle va mourir. J'aurais... Oui, je pense qu'elle va mourir. Mes pouvoirs. Miranda ? Miranda ? Et je crois qu'effectivement, si on va la voir et qu'on lui file de l'argent, il y a moyen qu'elle ne décède pas comme un caca. On va mettre tout le monde au courant pour cet endroit. Brouillage des communications désactivé. Écoutez-moi, ce n'est pas un camp de réfugiés. C'est une base de Cerberus dirigée par mon père. Venez, Oriana. On va vous sortir d'ici. Je n'étais pas partisan de votre détour par le sanctuaire, commandant. Il y avait trop d'inconnus. J'adore les inconnus. Mais j'avais tort. Eh oui. Votre raid contre ce labo de Cerberus a été riche en révélations. Mais on ne s'attendait pas à ça. Malheureusement. Tous ces réfugiés et toute cette boucherie... Juste pour étudier l'endoctrinement. Il fallait fermer le sanctuaire, amiral. Ce qu'ils ont appris sur les moissonneurs vaut moins que ses vies. Ce sont des données utiles, commandant. Mais c'est vrai, c'était cher payé. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où se trouve l'homme trouble ? Oui. On avait pris soin de placer un détecteur sur Kai Leng. Bien, ça nous donne une chance d'éliminer Cerberus de la partie. On est d'accord. On a beaucoup sacrifié pour cette information. J'ai l'intention de régler les comptes. On s'occupe de Cerberus et ensuite des moissonneurs. Parfait. Compris. Paquet terminé. Très très bien. Écoutez les gens, on va se casser. On en est où du truc ? Ouais, on est bien, on est bien. On est pas mal. On est pas mal du tout. 15 000... Donc voilà, bah, il reste plus grand chose dans le jeu. Hein. La prochaine fois, on ira faire le DLC. Le DLC de. Commandant, on dirait que Tali vit mal les événements d'Horizon. Elle est dans le salon si vous voulez passer la voir. Dans le salon. Dans le salon de où ? Ah, dans le salon. Ah, putain, oui. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, d'ailleurs. C'est pas là. C'est pas là. C'est là. C'est pas là, c'est l'autre, c'est en face. Je suis dégoûté. Shepard. Un petit verre ? À la mémoire de Miranda.
C'est pour la gueule. Comment vous faites pour être bourré? Je fais attention. C'est de l'eau de vie turienne, filtrée trois fois, puis insérée dans ma combinaison par un conduit d'entrée d'urgence. Tali, c'est une paille. Un conduit d'entrée d'urgence. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal à le rentrer. Ça doit vouloir dire que ça marche. Elle était si dure. Comment Jack l'appelait déjà? La pom-pom girl de Cerberus? Avec ses gènes parfaits, ses grands airs, et... j'aimerais la revoir. Je me rendais pas compte que ce serait aussi dur pour vous. Je ne l'aimais pas. Qui l'a? C'était vraiment une garce. Mais je la respectais. Parfois, ça a plus de valeur. Elle a fait tout ça pour arrêter son père. Elle ne lui a jamais cédé. Elle ne s'est jamais trahie pour lui. Ah. Arrêtez un peu. On dirait un... Vortcha. La relation entre Miranda et son père vous rappelle quelqu'un? J'ai passé ma vie à tenter de l'égaler. Ah oui. Puis à rattraper ses erreurs. À faire ce qu'il aurait voulu. C'est jamais aussi simple. À quel âge on commence à vivre pour soi-même et plus pour ses parents? Je crois que la réponse est au fond de ce verre. Je vais avoir besoin d'aide avec la paille d'entrée, le conduit. Bref, je bois un verre avec mon petit ami. Mon petit ami humain. Mon père vous aurait détesté. À sa santé, alors. Et à Miranda. Repose en paix. Petite boche-tête de Cerberus, génétiquement parfaite. Je pense que c'est sur ces entrefaites qu'on va se quitter. Hein. Un dernier petit au revoir. Voilà. C'est triste. On a perdu une équipière, une ex-équipière. Mais la vie continue. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. On ira sur à la Citadelle. Allez voir sur ce fameux quai 42. Voir ce DLC. Et après, bah, y aura une grosse ligne droite jusqu'à la fin du jeu, voilà. Donc je vous fais des bisous et on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut à tous, bye.